Bonjour et bienvenue. Ouh, on est très bas. On est très bas. On remonte. Bonjour et bienvenue. On est de retour dans un nouvel épisode. On a plein de choses à faire. On sort. On doit aller fouiller le barrage. Donc on part. Faire attention s'il n'y a pas de loup. Ok, ça a l'air tranquille. On va regarder là. Et on va aller fouiller le barrage. Donc on a une lampe. On a des torches. On a des allumettes. Il y a strictement rien dans les boîtes, c'est super. Donc ouais. Petite. Ah tiens, du désinfectant, c'est la première fois qu'on le trouve. Petite parenthèse aussi pour les mises à jour. Il n'y a toujours pas de mise à jour. Pas eu de. Enfin de nouvelles mises à jour encore. Pour moi. Donc, enfin pour moi, pour tout le monde quoi, mais. Je veux dire au moment où cette vidéo est publique. Donc ouais, il n'y a pas eu de changement, rien. Il y a beaucoup de problèmes encore sur le jeu. Donc voilà. Comme j'ai dit, de temps en temps, je fais des petites mises à jour. Je vous dis si jamais il y a eu un gros truc qui a changé, tout ça. Le seul truc qui aurait changé apparemment, c'est que... Je sais pas si j'en avais parlé, ça. Ah, peut-être que j'avais oublié d'en parler. Vous savez, les caches, les nouvelles caches, en fait, qu'on peut trouver avec les papiers, là. Eh ben ça, apparemment. Ah, il fait pas froid. Attendez, est-ce qu'on a un corps, là? Oh là là. Est-ce qu'on a un cadavre, là? Non, on a un cadavre là-bas, apparemment. Est-ce qu'on a une carcasse ou un truc là? Non, ok. Alors attendez. On va peut-être d'abord rester dehors. Dis-moi que c'est un cerf, dis-moi que c'est un cerf, vas-y. Dis-moi que c'est un cerf. Yes! Personne. Je crois pas. Il y a des bois aussi. Faire attention qu'il n'y ait pas de loup qui traîne. Go 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 go. Personne. Ok, d'abord on prend ça. Ok. Cool. Ça. Ok. Ouh, 1,7 kg, pas mal, on va prendre. Ah là, on a été gourmand là. On a tout pris. Là, on a été gourmand, mais ça vaut le coup. Vas-y, on remonte vite. Ok. Je peux finir mon histoire ou pas? Oh! Là-bas, j'ai cru voir un ours. Un loup, un loup. J'ai cru voir un loup. Donc! Là-bas. Là-bas. Ah non, c'est peut-être la biche là-bas. Enfin bref. Donc, ouais, les caches apparemment. Donc, les nouvelles. Tout ce qui est nouvelles caches. On peut trouver donc avec un papier donc tous les trucs tout nouveaux là. Alors apparemment on a une mauvaise nouvelle, c'est que il y avait les mauvais objets pour les versions comme nous, genre les intrus. Et pour corriger ça, il faut relancer une partie. Voilà. Donc voilà. C'est bien. Hein 27.
Donc, yay! Vive les problèmes. Vive les problèmes. Ça. Qu'est-ce qui pèse lourd comme ça? Est-ce qu'on a beaucoup de pierres, beaucoup de charbon? Genre les pierres, pas besoin d'en avoir en fait. Tout simplement. Là on en a 21, ça aussi, pas besoin d'en avoir autant. On va en poser 11. Nickel. Sac de couchage, on le garde. Ok, on est à 25 kilos, c'est très bien. Donc ouais. Un peu chiant. Donc bon, je pense que par exemple à Milton, on avait récupéré une boisson énergétique. Je pense que ça, on n'était pas censé en trouver, parce que je crois pas qu'il y ait des boissons énergétiques en intrus. Donc vous voyez. Alors après, est-ce que nous, ça nous gêne? Bah non, c'est tant mieux pour nous, mais bon. Voilà quoi, il n'y a pas de... Voilà. On risque encore de peut-être trouver des choses qu'on n'est pas censé trouver. Là, il y a plein de bois à se faire aussi. Hein. Il y a plein de bois à se faire. Ouais. Il faut une hachette pour les planches. Ah, mais les palettes aussi, en fait. Ok, j'en ai. Donc, ouais, c'est chiant, mais bon, enfin, comme j'ai dit, hein, moi, j'ai pas envie... Quand ils ont commencé, en fait, à corriger, parce que j'ai quand même un peu attendu avant de lancer ma survie, quand ils ont commencé à corriger les problèmes qu'ils avaient, j'avais déjà quand même 4 heures de jeu, donc je me suis dit, non. C'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. Moi, j'ai vraiment peur quand ils vont commencer à rajouter les nouvelles choses. Encore. Ils sont censés rajouter beaucoup de mécaniques. Ça va être une vraie catastrophe, je pense. Parce que là, à la limite, tout le monde recommence depuis le début. Parce que les sauvegardes sont incompatibles. Je vais un peu parler de ça, puis après, je vais parler d'autre chose. Les sauvegardes en fait étaient incompatibles. Les anciennes sauvegardes avec la nouvelle version du jeu, j'ai envie de dire. Ah, on peut trouver de l'eau là. Ah, c'est cool, on va pas besoin d'en faire. C'est vrai qu'il y a des toilettes. Et du coup, tout le monde lance des nouvelles survies. Donc en théorie, il y a moins de risques de problèmes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, vu qu'on recommence. Mais là, quand ils vont... Oh, ça se... Je sais pas si on peut en faire du cuir. Mais là, vu que... Eh, on peut. Ah, on va les déposer par terre. Mais quand ils vont rajouter, genre dans 3 mois, là, quand ils vont commencer à rajouter encore des nouvelles choses... Et bah ça va être la merde, parce que tout le monde sera déjà dans leur survie. Les gens auront déjà tout exploré. Nous, le temps que ça sorte, honnêtement, on aura sûrement tout exploré aussi. Et après, ils vont rajouter genre la cuisine, des trucs et tout ça, là. Donc, je vous dis pas le bordel que ça va être. Je sais pas. Honnêtement, si à chaque fois, il faut... Si jamais il y a plein de problèmes et à chaque fois il faut relancer une survie pour que ça marche, honnêtement je crois que j'arrêterai ma survie en intrus. Et on lancera le jeu genre, j'ai envie de dire limite en normal, tout simplement pour aller voir les nouvelles zones. Ouais. Si jamais, voilà, on est vraiment obligé et tout ça parce que... Me retaper encore tout ça, là, tout ce qu'on est en train de faire, parce que ils sont pas foutus de faire des mises à jour. Non, c'est bon. Ça va vite me gaver. Ah, c'est vrai qu'on a un établi ici, j'avais complètement oublié. Ah tiens, on peut... Ah non, on n'a pas les boyaux séchés. Parce que j'allais dire, on peut crafter notre arc. Mais en fait, non. Parce que ouais... Bon, vous voyez quasiment tout en vidéo hein, maintenant. Mais c'est quand même beaucoup d'heures pour ce jeu. Pour survivre en fait, c'est quand même beaucoup d'heures pour s'équiper et tout ça.
En plus, je joue un peu à côté, du coup, comme j'ai dit, hein, quand je fais des coupures et tout ça pour vous épargner la souffrance de la farm. Et bah là, voilà quoi, ça fait quand même énormément d'heures pour s'équiper, donc à chaque fois tout recommencer tout le temps, donc ça m'intéresse pas du tout. Donc ouais, on fera ça, on verra. J'espère qu'ils vont faire du bon boulot quand même. Mais en tout cas, d'ici là, nous on sera nickel, on aura l'arc, on sera sûrement tout équipé en fourrure et tout ça. Donc on pourra faire face à tout en fait. Donc ça va être sympa. Genre s'ils nous disent bah tiens, on a rajouté un truc à Milton. Oh yes, une boîte à outils. Ça va vachement utile. Et ben du coup nous on pourra retourner à Milton sans problème. Vous voyez, on aura le sac supplémentaire. Enfin voilà quoi. Donc ça c'est bien. On pourra aller où on veut. C'est pour ça aussi. J'avais fait ça entre... Me dis pas... Oui, merci. J'ai cru que j'allais être bloqué. Je crois que c'était la saison 5 qui était la plus aboutie. Où il y a une centaine de vidéos. Et puis après, la saison 7. Ça a été la suite de la 5. J'adore la musique du barrage. Ça a été la suite de la saison 5, en fait. Wow. Okay, je vais directement ouvert ça, pardon. Et elle était très aboutie, parce qu'après on a fait Black Rock et tout ça. Il y a un établi ici aussi, je me rappelle. Donc ouais. Là, c'était bien. Ah, aussi, dans le barrage, si vous n'êtes pas au courant, faut faire très attention. À l'époque, il y a plusieurs années... Apparemment, il y avait un loup qui traînait. Moi, je l'ai jamais vu. Je crois qu'il y avait une mise à jour. Ils l'ont retiré juste avant que... Merde, c'était 56. Juste avant que je me mette vraiment bien dans le jeu. 56. Et du coup, je l'ai jamais vu. 55... 46... Et du coup, je l'ai jamais vu. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que pendant la nuit, s'il y a une aurore boréale, il y a énormément de câbles électriques qui vont s'activer. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça fait des brûlures, ça fait extrêmement mal. Et je crois que vous pouvez même rester bloqué en fait. Vous pouvez même rester bloqué parce qu'il y a des endroits où il y a des câbles en fait qui font un barrage. Et s'ils sont activés, c'est mort. Vous pouvez plus les franchir en fait, donc faut faire attention à ça. Là ça va, on a encore un peu le temps. Puis le problème c'est que l'aurore boréale, on peut pas la prédire quoi. Ça c'est pour descendre, on va y aller après. Bon, je crois qu'on a tout fait là. Ah non, attends, il y a les escaliers. Bon, d'abord on va se débarrasser un peu des trucs qu'on a eu là. Il faudra un onglet pour dire nouveau. Genre les choses qu'on vient juste d'avoir, ce serait bien aussi. Il y a plein de trucs qu'on peut rajouter dans le jeu. Ah, ça c'est 1 kilo. Ça aussi on va virer. Ah, très bien. Il y a 25 kilos, très bien. On a fait ça, fait voir l'escalier. Pourquoi on fait ce bruit là? Quand on est dans les escaliers. Marrant. C'est parce que c'est du métal et on a des crampons. Très bizarre.
Lucky day, indeed. Lucky day, indeed. Ah, qu'est-ce qu'il nous faudrait, honnêtement? Un fusil. Il nous faudrait un fusil. Voilà, c'est ce que je cherche. Genre, en théorie, on peut même pas avoir le nouvel arc. Je sais même pas s'il y a de la customisation, en fait. Ils avaient parlé du customisation d'équipement. Et je vais être honnête, je sais pas si ça y est, en fait, au final. Après, c'est peut-être que les armes uniques qu'on peut customiser, mais je sais pas. Ils ont dit un peu trop de choses, en fait, dans leur trailer. Interland. Oh là là, tout vide. Vide, vide, vide. Ah, je vais pas prendre le livre. Oh, il y a un atelier ici aussi. L'atelier partout. Mon dieu, je me rappelais pas de ça. C'est nouveau. Je vais voir. Ouais, commence à être fatigué aussi. Ah, ce qui est bien, c'est que... On va se recaler avec le jour-nuit. Ça, c'est bien, ça. Ah. Bah, des trucs comme ça, ok, c'est rare, c'est bien. Ça pèse pas lourd et c'est très utile. Genre café, tisane et tout ça, ouais, ça c'est cool ça. Mais après, ce qu'il nous faut vraiment, honnêtement, bof. Les vêtements, on va les crafter au bout d'un moment. Je dirais de la nourriture pour éviter d'aller chasser. Mais c'est à peu près tout. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de grand chose. Ah, à la limite des morceaux de métal. Métaux. Pour éviter d'avoir à couper des trucs. À la limite, ça, oui, je dirais pas non. On va pas le faire maintenant, en tout cas. Genre scier, on le fera quand on partira. Ça sert à rien de le faire maintenant. Sac de couchage, tout ça, oui. On peut dormir où on veut. Donc il n'y a pas de problème. On a de l'eau et de la nourriture, donc il n'y a pas de problème. Quand il commencera à faire très... Ah mais je crois que c'est là qu'on peut pas franchir si c'est allumé. Mais quand on commencera à faire... Non, quand il commencera à faire nuit, je sortirai la lampe. Alors, bienvenue... Dans le cœur du barrage, j'ai envie de dire. Faut regarder un peu partout, genre même derrière les choses. Des fois, on peut trouver des balles. Enfin, nous, ça ne nous sert pas à grand chose, j'avoue, mais. Des trucs. Là. Ok, maintenant on va monter. On a une corde ici, c'est pour aller plus vite, mais on n'a pas besoin de la prendre normalement. Là, il n'y a jamais rien.
Mais ouais, on n'est pas vraiment après quelque chose de bien précis. Là, on prend tout et n'importe quoi. Ça, c'est un passage avec la vitre cassée, là. Ça serait bien qu'on puisse pouvoir l'enjamber, la fenêtre. Ça nous ferait un raccourci. Ça serait cool. Ça serait cool. Eh ben, pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Faut qu'on aille de l'autre côté. Hop là. Peut-être un truc pour faire le feu. Je sais pas comment ça s'appelle. Une pierre, un silex là. Complètement oublié le nom. Non, du coup on n'a rien à faire. Commence à faire un peu nuit là, non? Dans la deuxième partie, là, on va devoir allumer la lampe, je pense. Ah, me bloque pas, merci. Vraiment pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Bon, bah là, il n'y a plus de cadavres apparemment. Ah, maintenant il est en bas. Ah. Ok. Bon, maintenant ça a plus de sens. En fait, ce qui était embêtant, c'est que là, il y avait un cadavre. Des fois, il y a des flèches en fait plantées aussi. Il y avait un cadavre, mais la plupart du temps, on le zappait parce que quand on apparaît, on regarde vers l'avant et tout ça. Donc, on zappe le cadavre. Maintenant, ils l'ont changé. Attendez, on va faire ça. Et merde. Une chose aussi, ça serait bien. Moi, j'aurais fait en sorte que... Genre, si on utilise une lampe, on peut fouiller les choses plus rapidement. Vous voyez? Genre, le cercle, il se charge plus vite. Parce que on utilise une lampe. Vous voyez? Un truc comme ça. C'est des petites choses, hein, comme ça. Des petits détails, mais ça serait vraiment cool. Alors, si je dis pas de bêtises, on va passer par la porte. Elle est à sens unique, emergency exit only. Elle est à sens unique. On peut plus rentrer. Mais on va pouvoir passer par autre part. C'est nouveau ça. Je sais plus quelle région il y a après ça là. Je me rappelle que j'étais passé une fois. Enfin non, pas une fois, plusieurs fois, mais. Ah, je sais plus quelle région il y a. C'est pas Muskegmond, parce que Muskegmond c'est l'opposé. Qu'est-ce qu'il y a comme région là-bas? Pour aller à Ash Canyon. Ravin, autoroute côtière. Ah, c'est peut-être Ravin, autoroute côtière, ou alors la crique lugubre, un des deux. Crique lugubre ou autoroute côtière. Il
Cric lugubre, il y avait quoi? Cric lugubre, je crois qu'il y a strictement rien à faire là-bas. Alors là, faut faire gaffe. Pas tomber, ce serait con. La cric lugubre, je crois que c'était le premier endroit. Où ils nous ont mis les loups gris. Et la zone, elle est... Ah, la zone, elle est jolie, je la trouve jolie, mais la zone est très chiante, en fait. Car elle a deux passages. Et pour relier les deux passages, il faut une corde. Donc, il n'y a qu'un seul passage, en fait, qui permet de mettre la corde où il faut. Ouais, très bien. Donc, du coup, il faut savoir par où passer. Donc ouais, ça c'était, ça c'est un peu embêtant, c'est pas vraiment là. Si c'est bien la chose que j'ai en tête, hein, l'endroit que j'ai en tête. Donc c'est pas vraiment l'endroit le plus fun. Ah, c'est bien de pas avoir froid quoi. Oh mon dieu, regardez, on est en pleine nuit, on n'a pas froid quoi. Vraiment bien. On pourrait peut-être faire du feu. Ah mais j'ai déposé tout mon bois, je crois. Ah. Ouais, c'est pas mal. Là, il n'y a rien. Et nous, on veut passer par la fenêtre. Alors du coup... Alors, attends. Pouvoir faire du feu pour cuire la viande en fait. 3 et 2. Ouais, ça passe. Hein. Je crois que ça passe. Ah, et non, par contre, il y a du vent. Non. Ça a l'air d'être ok. Ouais, c'est bon, on est protégé. Faut protéger le feu, faut pas protéger soi. Ça sert à rien de se protéger soi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un feu pour cuire ça directement? Comme ça c'est fait? Comme ça on peut les manger? Est-ce que j'ai assez de feu? C'est ça ma question. Il va me falloir au moins une heure. Ah, on entend des loups. Les loups, ils sont en bas du... En bas du... ...51 minutes. Ouais, nickel. On peut faire ça aussi. Non, non. Ah, merde. Sans déconner. Putain, il manquait rien, quoi. Chier. Oh, fait chier. Si je me mets devant. Yes. Yes.
J'espère que ça va marcher. Ouais, je crois que ça a marché. Ok. On rentre. Encore une victoire. Ok, très bien. Ah, on peut dormir. On peut dormir. Comme ça, on sera en pleine forme. Fermé. J'ai vu un faitout. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On mange d'abord 920. Oh la vache. Putain, 900. Et je crois que ça a été boosté, ça, ou pas? Je sais pas. Je devrais d'abord manger les trucs comme ça. Trop utilisé de calories. Ah bah. C'est bête ce que je voulais faire la nourriture pour chien. Ah non 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 non, j'ai rien. Il y a froid, il y a pas froid en fait sur la nourriture pour chien. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut pas la faire cuire. Et là, on se fait électrocuter. Ça serait triste. Ça serait triste de se faire électrocuter comme ça. Ok. Ok, là, on fait tout. Ah, mais c'est une clé de souvenir. Okay. J'ai aucune idée d'où on trouve les clés. J'ai aucune idée à quoi elle ressemble déjà, quel type de clé, j'ai aucune idée dans quel type d'endroit elles peuvent être, j'ai aucune idée, zéro, je sais pas. Donc ça c'est un peu emmerdant. J'espère qu'on pourra, on pourra les trouver en tout cas. J'ai même limite envie d'aller sur le forum de Steam et, ou alors regarder sur internet pour avoir une idée en fait. Oh, la cuisine. Je crois qu'on a quoi, 3 bouquins pour la cuisine? C'est un peu abusé, je trouve. C'est pas mal. Enfin, non, c'est pas abusé. On trouve pas énormément de bouquins non plus. Mais en fait, on a surtout pour de la cuisine. Donc ça, c'est bien, ça. C'est un des plus importants, en fait. C'est que c'est celui qu'il faut avoir, qu'il faut monter le plus rapidement possible. Donc c'est très très bien. Extrêmement bien, j'ai envie de dire. Il y a celui-là de la carcasse aussi. À un moment, je voulais le lire et tout. Je me suis dit, mais bon, ça sert à rien en fait. Une fois qu'on a les outils et tout, de toute façon, peu importe. Alors oui, évidemment, on va récupérer la viande, la peau et tout ça plus rapidement. Mais c'est pas... Ça va pas vraiment nous aider plus que ça en fait. Donc le plus important reste la cuisine. Et là on se débrouille bien niveau calories en fait. Hein. Honnêtement, ça va. Ça va, ça va. J'ai limite envie de... Ouh, petite qualité. Cool. Limite envie de manger pendant 72 heures, là, comme ça on a le bonus. Quand on va à la forge, est-ce que c'est vraiment utile? De toute façon, pour la forge, on n'a même pas besoin de faire un couteau, faut être honnête. On n'a même pas besoin de faire un couteau, parce qu'on en a un. Donc il faut juste faire de une hachette et des têtes de flèches. Donc du coup c'est pas très loin. Donc bon, pas grave. Donc, on n'a pas vraiment besoin de transporter grand chose. Oh.
Très bien. On va finir Carter. Après, je sais pas trop ce qu'on va faire. On va d'abord... Bah, honnêtement, le mieux, ça serait de récupérer tous les objets qu'on a trouvés, déjà. Et après, tout simplement, rentrer. Tout simplement. Oh, d'accord. Tout simplement rentrer, parce qu'on a plein de trucs à poser, en fait. Et après, on peut aller autre part. Mais je pense que le temps d'arriver à la maison... Enfin, le temps de tout récupérer, de partir, de rentrer à la maison, honnêtement, notre épisode sera fini. Donc, on fera ça pour la prochaine fois. Après, on va pas... Je sais plus combien de temps c'est pour sécher une peau. Et voilà, là, maintenant, on est de retour ici. Donc, c'est la porte que j'ai pris, là. Elle est juste là. Donc, voilà. Faut prendre la porte en premier et faire comme je fais. Comme ça, ça vous fait gagner du temps. Parce que sinon, vous faites aller-retour et... ça aide pas. Enfin, bref. Voilà. Mais ouais, pour faire sécher les peaux de cerfs, là, je sais pas combien de temps ça prend. Donc du coup, je pense qu'on le fera... On va pas faire le vêtement avant d'aller à la forge. On ira d'abord à la forge et puis on fera... Puis on rentrera, on fera le vêtement. Je pense. Ça va prendre trop de temps. Ça doit prendre au moins 3 jours pour sécher, si c'est pas 5. Je crois que l'ours et tout ça, ça prend une dizaine de jours. Quoi. C'est super long. Ben voilà, on a fini Carter. On a fini Carter. Comme ça. Alors déjà ça c'est 10 minutes, on ferme maintenant. Ce sera moins lourd, ça on va le garder. Ça on prend ça, ça... Après, c'est des vêtements on n'a pas vraiment besoin. Enfin, quoique, des vêtements qui peuvent servir si on se fait attaquer. Ça, ça, on n'a pas besoin. On va prendre ça là. On est à combien là? On est à 34. Enfin, 35. Ok. Bon, bah, déjà, on va rentrer au mobile home. Et après, on va voir. Ah, il fait beau et tout, en plus c'est magnifique. Magnifique. Il y a encore des corbeaux là-bas ? Non. Ah, je suis pas allé dans le camion, tu vois. Ah ah! Alors, une nouvelle grotte s'est ouverte à Milton, à côté de la cabane du vieux trappeur. Serait-ce à cause d'un tremblement de terre? Okay. Ah, vous croyez que c'est pour nous montrer, en fait, qu'il y a une grotte ici? Genre une sorte d'aide? Pour nous dire qu'il y a une grotte? Peut-être. Alors. Vous savez, une façon de... Ouais, une façon de nous aider, en fait.
façon de nous montrer les endroits importants. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, du coup? Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, il nous faut le métal. Bah, on peut rester ici encore une journée, en fait. On va d'abord prendre tout ça. Et après, on rentrera. Mais par contre, on va rentrer, on va être chargé. Ouais, non, peut-être qu'on finira l'épisode ici, en fait. Je vais tout scier. Et puis après, le prochain épisode, ce sera on rentre. On se prépare pour aller crafter. Et puis on part. Il faut d'abord que je réfléchisse à où on va récupérer le charbon. Ça, je sais pas encore. Ça, c'est la seule chose que je sais pas, c'est le charbon. Où est-ce qu'on va récupérer ça? Après, il y en a souvent, hein. Dans les forges directement, il y a souvent un marteau aussi. Donc il nous faut du bois, il nous faut beaucoup de bois. Il n'y a rien à casser à l'extérieur en métal. Non, normalement en métal il n'y a rien. Oh! Non. Non, métal, y a rien. Il y a du bois, mais il faut une hache à chaque fois. Bon, bon, bon. Allons scier. On va laisser ouvert, comme ça si on doit courir et s'enfermer après, c'est bien. On va aller scier. C'est un peu chiant de faire ça à l'intérieur comme ça, mais bon. 1h45 pour 6 morceaux de métal. On regarde un truc. Fermez vos oreilles si vous supportez pas ce bruit-là, juste au cas où. Alors la forge c'est ça, donc pointe de flèche c'est une heure, un ferraille pour deux, une ferraille pour deux. Donc nous on a 24 à peu près de flèches, donc il faudrait au minimum une dizaine, donc ça fait une 10 heures. Il faut au minimum une dizaine, ça nous en fera 20 de sets de flèches, mais le mieux ce serait plus. Couteau improvisé, on s'en fout, pas besoin. À la limite, on peut en faire un quand même, mais à la limite, c'est pas important. Achète improvisé 5 ferrailles. Et un tissu. 5 de ferraille, c'est que 4 heures, ça va. Il faut la hache. On a déjà le couteau. Le couteau, on va le garder. C'est notre cadeau, couteau de chasse. Notre cadeau de la part de Interland. Quand il commencera à faire nuit, je regarderai ce qu'on récupère au sol. J'ai rien à déposer. Ah si! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Trois pots. Aïe aïe aïe! Ok. 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 Est-ce qu'on peut scier dans le noir? J'ai aucune idée si on peut le faire. Je me rappelle plus du tout. On a combien de métal? 27! Ah, putain. Non, on peut pas scier dans le noir. Ok, on a bien fait. Et ben du coup, on va dormir. Comme ça, ça nous fera... On nous fera utiliser des ressources, on sera moins lourd. Bon, on va s'arrêter là.
On va s'arrêter là. Ça aussi, on peut le recycler. Résultat des courses, on a des objets rares. Assez bien, outils de qualité et tout ça, ça c'est vraiment cool. Ça, ça permet de réparer. Je crois que la scie, il en faut. Je crois que la scie, on peut pas la réparer si on n'a pas de... de caisse à outils. Donc ça, c'est cool. Je crois que ça sert aussi à utiliser la lampe, mais enfin réparer la lampe, mais la lampe elle se casse pas de toute façon, donc on s'en fout. Non, ouais, non, ça s'est bien passé. On va dormir, on fera le tri de ce qu'on prend parce qu'on est un peu lourd. Mais on a 27 de métal, c'est nickel. 27, ça fait 5 pour la hache. Après, ça serait minimum 10 pointes de flèche, donc ça en ferait 20. Enfin, 10 métal pour faire les pointes de flèche, donc ça fait 15. Et là, on est à 27, donc on est large. Donc, on est tranquille. Maintenant, il faut juste du bois et du charbon. Il faut juste du bois et du charbon. Donc, le prochain épisode, on rentrera. Et si tout se passe bien, et que c'est nickel et tout, que le vent est tranquille et tout, qu'il n'y a pas de problème, on part directement à la forge. On ne cherche pas à comprendre, on part directement à la forge. Parce que honnêtement, le temps est vraiment cool. Donc, on fera ça. Alors, on va manger et boire et dormir. On va prendre ça. Ça. Alors, on est à combien? 500, il nous faut un peu plus. 500. Ça, on peut le faire cuire. Ah putain, je vois strictement rien quoi. Juste manger de la viande, je pense. C'est cru. C'est cru. Ça c'est cuit. J'aurais pas dû manger les bonbons et tout ça là. Hein, j'ai été con. Et du coup maintenant je trouve plus l'endroit où il y a le lit. Ah. Okay. Ah, j'étais bête. 5. Ok, stop. J'ai trop mangé. Ah, c'est pas grave. Le truc c'est qu'il va falloir rester longtemps là-bas quand même. Enfin, au moins une journée. Donc du coup, c'est un peu chiant pour manger et tout. Il faut prendre des provisions et tout. Il faut faire de l'eau, machin. En théorie, c'est genre 10 heures pour faire 20 têtes de flèche. 4 heures pour faire la hache. Donc en une journée, on a large. Mais en fait, non. Parce qu'après, il va falloir boire, manger. Si jamais on arrive que là-bas qu'on est fatigué, il faut dormir, etc. etc. Donc c'est la merde. À la prochaine, portez-vous bien et on avance vite, je suis content. Ciao.